Salut chers élèves, eh bien nous nous retrouvons aujourd'hui, page 147, avec le son si déguisé en TI pour lire l'histoire de Taoki. Alors, tu as bien refait l'exercice d'ici tu entends, tu as bien relu les mots, les phrases, tu es donc prêt avec ton nouveau mot outil ainsi à lire l'histoire de Taoki. Attention! Tu écoutes d'abord et tu lis tout seul. Depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, les journées n'ont pas manqué d'animation. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Mais il y a une condition pour faire ce voyage. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé. Par le livre. Quelle préparation! Le livre est placé soigneusement par terre. Tous les trois sont équipés d'un gros sac à dos avec leurs affaires de vacances. Des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents. Ils sont prêts et impatients. Taoki tient ses amis par la main, ils sautent à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition. Voilà, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour bien écouter les mots et recommencer. Tu as vu que dans cette histoire, il y a beaucoup de « si » avec « ti ». Apparition, affection, impatient, condition, séparation, disparition, émotion. Donc, fais bien attention. Alors, tu vas relire pour bien répondre aux questions qui sont sur ton fichier. Exercice 7. Entoure la bonne réponse. Taoki est apparu pour la première fois dans la cantine ou dans la bibliothèque? Aujourd'hui, tous les trois partent pour le monde de Taoki ou l'école? Le départ se fait à travers un tableau ou un livre. À toi de jouer. Exercice 8. Écris une phrase pour répondre aux questions. Attention, pour faire cet exercice, la question enroule la bobine, la réponse déroule la bobine. Ça veut dire que tu dois utiliser les mots de la question pour répondre aux questions, et cela peut t'aider. Pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? À ton avis, comment commence cette réponse? Taoki doit rentrer chez lui parce que dès que tu as une question, il faudra que l'on retrouve le mot « parce que » dans ta réponse. C'est la raison. Alors, à ton avis, pourquoi Taoki doit-il rentrer chez lui? Taoki doit rentrer chez lui parce que... Et tu trouves la suite grâce à l'histoire. Que vont faire Lily et Hugo chez Taoki? Comment va commencer la réponse? Lily et Hugo vont chez Taoki. Comment peut-on se rendre dans le monde de Taoki?
On peut se rendre dans le monde de Taoki par... Qu'emportent les enfants avec eux? Les enfants emportent... avec eux. Maintenant, exercice 9. Décris en quelques phrases le monde de Taoki que tu imagines et dessine-le. Ici, c'est pour écrire et ici, c'est pour dessiner. Alors, on te demande ici d'imaginer. Tu dois faire comme un petit film dans ta tête et tu dois imaginer le monde de Taoki. Qu'y a-t-il dans le monde de Taoki? Que voit-on dans le monde de Taoki? Tu me fais de jolies phrases pour dire ce qu'il y a dans le monde de Taoki, en écrivant sur les lignes et en soignant ton écriture. Lorsque tu auras terminé, tu devras me faire une illustration de ton histoire. Tu racontes ce que tu vois dans ta tête, dans le monde de Taoki. Alors, je te laisse imaginer une très belle histoire et ensuite me faire un joli dessin avec tes crayons de couleur, en mettant des couleurs dans le carré, dans le rectangle blanc. Voilà, c'est à toi de jouer.